mensonge. C'est l'histoire de l'esti d'Italie. C'était un esti, puis c'était un Italien. Les deux en même temps. Ça arrive, parfois. Quand je suis allé au rendez-vous de ce matin, c'était pour rencontrer l'esti d'Italien. Il n'y avait pas de lait bain, il n'y avait pas de lait sain. Il y a eu le contrat contre un bon pot de vin. En tournant chez nous, je me suis senti coupable. Comme un bandit ben trop aimable. À cette heure, j'accorde des faveurs incroyables. Avant, je cassais tout, c'était plus rentable. Que si je suis devenu un pacifique corrompu. Avec comme seul but d'échanger des reçus. Moi, me ramasser à parler à Charbonneau. J'aime bien mieux jouer aux cartes avec Mignotto. Je place le paquet pour détourner l'attention. Je vois qui dort pas de l'escouade anticorruption. Je me lève vite, j'échappe la con sur le plancher. Je me dis, whoop, pensais que t'as bien rangé. Me regarde dans les yeux avec l'air étonné. Et me demande si j'avais prévu de la sniffer. Je leur réponds que c'était pour l'estite italien. Je l'aperçois dans l'escouade, tabarnak, il était pas des miens. Non, j'étais pas avec toi. L'estite italien. Il était pas avec toi. Il était pas des miens. Non, mon ami. L'estite italien. Non, je n'étais pas avec toi aujourd'hui et jamais dans la vie. Je vais juste vendre le popcorn au cinéma.